va faire le premier spectacle, donc c'est pour les primaires, la scolaire, donc c'est les sixièmes de notre collège et les professeurs. Depuis le début de l'année, on fait du chant, du théâtre, de l'instrument. Et voilà, nous on a des cours réservés le mardi matin. On a la chorale le lundi en S0, entre midi et 2 et le jeudi aussi. On va faire des scènes de théâtre, après on va jouer des morceaux de musique et on va chanter aussi. On va chanter et voilà. C'est un spectacle qui réunit 63 élèves de 11 ans à 15 ans. Donc ce sont des élèves du collège Combe de Savoie qui sont tous inscrits à l'école de musique et de danse d'Albertville. Et donc ils vont unir leurs différentes spécificités, c'est-à-dire les instruments de musique, le chant en chœur et puis également du théâtre. Alors le cursus CHAM, c'est un cursus particulier qui est extrêmement intéressant pour les élèves, extrêmement valorisant. On a d'autres cursus bien entendu, puisque c'est pas tout à fait les mêmes cursus. On a des cursus un petit peu plus classiques, on a des cursus musique actuelle, on a des cursus de danse classique. Donc voilà, ce qui est bien dans le cursus CHAM et ce qui est quand même particulier, c'est qu'ils vont faire et de la musique, mais aussi tout ce qui est sur scène, art de la scène, puisque c'est la dénomination. Et donc du théâtre, de la danse, du chant, beaucoup de chant. Voilà, c'est un cursus qui est très complet et qui est très apprécié des élèves. On est extrêmement heureux d'être ici. C'est vrai qu'en mars 2020, tout s'est arrêté d'un coup. On n'a pas fait de représentation depuis, on n'a pas pu. On a eu une petite fenêtre de tir au mois de septembre-octobre, mais malheureusement, le temps de préparer, ce n'était pas possible. Et donc là, c'est notre premier spectacle depuis plus d'un an. Et on sait pourquoi on est là maintenant, on sait pourquoi on fait ça. C'est l'aboutissement d'une année, parce qu'on monte un spectacle toutes les années. Évidemment, quand on peut, puisque l'année dernière, malheureusement, nous n'avons pas pu. Et je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais on tenait à remercier beaucoup la Olympique qui nous a accueillis pendant les confinements et là ce soir pour le spectacle. Il y aura juste deux représentations, une cet après-midi en scolaire à 14h et une ce soir à 18h, tout public. Vous pouvez retrouver le spectacle sur la chaîne YouTube de l'agglomération Arlysère, qui va donc le diffuser en streaming ce soir et qui restera disponible quelques jours.